Salut à tous, ici Ludo Gaming. Bon, aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur comment avoir toutes les applications du Play Store gratuitement. Oui, je sais, il y a pas mal d'applications qui ont été, enfin, il y a pas mal de vidéos qui ont été présentées là-dessus depuis pas mal d'années maintenant. Mais bon, je voudrais bien refaire une petite piqûre de rappel. Admettons pour les novices d'Android, mais cette vidéo s'adresse plus, ouais, ça s'adresse vraiment pour les novices, hein. Ça s'adresse pas pour les professionnels ou les gens, ouais, vraiment les gens expérimentés, hein. Non, 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 pas vraiment. D'ailleurs, je voulais vous dire, mes vidéos, je ne les prépare pas, c'est-à-dire que je les improvise. Donc, si vous voyez que je bafouille, surtout n'hésitez pas à me le dire et j'essaierai de faire au maximum pour éviter, déjà principalement pour que vous puissiez comprendre mieux mes vidéos. Et voilà quoi. Non, c'est un petit point, un petit à souligner parce que j'ai remarqué ça depuis pas mal de temps, depuis que j'ai lancé ma chaîne. C'est vraiment une calamité quoi. Donc si vous avez des trucs à dire, surtout n'hésitez pas à me le dire. Donc maintenant nous allons passer à la pratique. Donc nous allons télécharger Blackmart. Donc je ne l'ai pas installé sur mon téléphone, on va le faire ensemble. Donc vous démarrez votre navigateur internet, vous tapez dans la barre de recherche google.fr. .fr. Voilà. Nous allons faire entrer. Et c'est simple, c'est un fichier APK à télécharger, hein, de toute façon. Mais par contre, il va falloir qu'on active aussi les sources inconnues dans les réglages d'Android. Donc Blackmart, le premier qui vient. Donc vous cliquez dessus. Voilà. Donc vous allez tomber sur cette page-là. Donc nous allons cliquer sur le premier lien venu, hein. Donc voilà, donc là nous allons télécharger. Ah, ils ont changé leur site. Première nouvelle. Comme ils ont changé leur site, je connais pas bien. Enfin, je connais plus du tout le mode de fonctionnement. Donc à mon avis, on va sélectionner la langue française. Et je pense que là, il va directement nous télécharger l'application. Directement, je pense. Télécharge même pas. Télécharger, si on clique sur télécharger, qu'est-ce qu'il me dit? Ok, donc les fonctions, donc ça bon, c'est très important, il faut le lire. Hein. Si je vous invite à le lire pour prendre connaissance, enfin pour prendre connaissance comment l'application fonctionne. Parce qu'en fait, c'est pas vraiment légal, ces applications-là. Donc je ne suis pas responsable non plus de vos actes. Hein, donc voilà, soyez très vigilants à ce niveau-là. Bon, donc nous allons passer au téléchargement de l'application. Télécharger Blackmart. Voilà, début du téléchargement. Comme c'est une vidéo qui a été totalement improvisée, excusez-moi si vous voyez des musiques téléchargées, voilà quoi. Donc nous allons attendre la fin du téléchargement. Donc l'application fait 3,89 m. C'est pas excessivement, ça prend pas énormément sur votre mémoire. Hein. Non, non, ça prend absolument pas du tout de mémoire, hein, quasiment pas. Hein. À part sauf les applications téléchargées, mais sinon l'application en elle-même n'en prend pas de place. Donc nous allons la installer. Ah oui, avant de l'installer, ce qu'on va faire, c'est qu'on va directement se rendre dans les réglages d'Android. Parce que généralement, les paramètres par défaut, enfin, les paramètres du système ne sont pas activés en fait. Donc vous allez dans votre menu, donc dans votre menu paramètres de votre téléphone. Normalement, vous allez tout en bas. Ouais, d'accord, super. Donc là, vous avez à propos du téléphone et options pour les développeurs. Donc vous allez cliquer sur options pour les développeurs. Donc on va chercher les sources inconnues. Les sources inconnues. Il est où? Peut-être que je l'ai passé. Je l'ai même pourvu le guignol. Sources inconnues, en vrai, je l'ai passé.
Ah, y a comme un petit problème là. Bon, enfin bref, y a un truc à cocher. Enfin, vous faites ça, vous activez tout et normalement ça devrait passer. Ça, c'est bizarre, je l'ai pas. Bon, c'est pas grave. Donc là, nous allons retourner dans le gestionnaire des téléchargements pour installer l'application. Donc nous allons l'installer dès maintenant. Installer, oui, il nous explique ce que l'application fait. Donc, maintenant, on clique sur installer. Donc il se peut qu'une fois qu'on installe l'application, qu'il nous demande une mise à jour. C'est tout à fait normal, hein, en fait, Blackmart s'actualise en fonction des mises à jour du Play Store. Enfin, c'est comme ça qu'il fonctionne. Hein. D'après ce que moi j'ai compris, c'est comme ça qu'il fonctionne. Et ainsi pour Aptoide. Qu'est-ce qui me télécharge? Ok. Petite mise à jour. Pas prévu au programme. Bon, je trouve l'installation particulièrement longue. Vous inquiétez pas, c'est normal. Hein, ça provient de mon téléphone. Hein. Depuis un certain temps, j'ai des soucis avec. C'est la première gamme du Samsung Galaxy S6. C'est vraiment une calamité, quoi. Enfin, perso, moi j'ai été déçu par Samsung. Voilà, quoi. Bon. Je vais pas non plus faire une polémique là-dessus, enfin non faire non plus un débat, mais franchement, je suis vraiment déçu. J'espère que le S7 va combler pas mal de manques. J'ai vu notamment que Samsung avait réinstallé le port de micro SD. Ça, par contre, c'est un point à souligner. Bon, bref, je ferme la parenthèse. Donc là, nous allons ouvrir l'application. Vas-y, quand tu veux, un vrai diesel. Ah, voilà. Non, donc, c'est bien ce que je vous disais. Ce que je vous disais, pardon, excusez-moi. Donc, nouvelle mise à jour. Donc, voilà, il faut qu'il se connecte au serveur. Téléchargement de mise à jour. Donc, moi, je vous préviens, j'ai une co vraiment pourrave. Je tourne avec un hotspot. Donc, c'est pas vraiment l'idéal pour télécharger. Mais bon, hein. On essaye de se débrouiller comme on peut. Donc, on va attendre la fin de la mise à jour. Ensuite, une fois que la mise à jour sera téléchargée, il va vous demander de refaire une installation. Vous la faites, hein, vous inquiétez pas, ça va pas rajouter un truc en plus. Hein, non, 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 ça va supprimer l'application de base et ça va réinstaller la nouvelle. Voilà. Donc, nouveauté, bon, cette mise à jour, oui, bon, allez, on l'installe. En fait, on ne prend pas trop compte de ce qui marque. Hein, mais bon, pour télécharger des jeux, ouais, il n'y a rien de mieux que Blackmart, quoi. Parce que j'étais Aptoide, c'est différent. Enfin, Aptoide, ils ont pas, il y a des problèmes de licence. Enfin, j'ai téléchargé GOA, ouais, comme je disais, GTA 5. GTA 5. Bien sûr, GTA 5 sur téléphone, on aura tout vu. Non, non, c'était GTA San Andreas. Ou Vice City. Bon, je l'ai téléchargé et tout, je veux pour l'installer. Ouais, nickel et tout, il passe et tout. Et après, bam, problème de licence. Bah, dégoûté, quoi. Bon, c'est pas très très grave en soi, mais voilà, quoi. Si on peut éviter de payer des applications ou des jeux qui coûtent. Bon, à la finale, pas très très cher, mais bon, si on n'a pas forcément les moyens, c'est mieux d'utiliser le système D, quoi. Donc là, nous allons ouvrir l'application. Voilà. Donc Blackmart se lance. Donc voilà. Donc là, nous avons toute une liste d'applications free, donc d'applications gratuites. Hein, et voilà. Donc toutes les applications payantes, c'est marqué en dollars. Donc admettons, je vais télécharger. Je sais pas, on va télécharger une bête application. Bah tiens, la première qui se présente, hein, l'application qui est payante. Vous inquiétez pas, il n'y a pas de problème, il n'y aura pas. Vous inquiétez pas, ça marche bien. Hein, moi, perso, j'ai déjà testé. Donc voilà. Donc là, nous avons différentes versions. Donc nous allons prendre la version la plus récente. Donc non, on est en train de télécharger. Bon, il se peut que l'application soit totalement en anglais, mais bon, je pense qu'il y a moyen de la régler. J'ai pas été farfouillé dans les paramètres. Mais je pense qu'il y a un moyen. Donc voilà. Donc là, nous allons attendre. Je sais.
Par contre, je sais absolument pas ce que c'est comme application. Donc voilà, enfin, c'est simplement pour vous montrer, pour vous prouver que ça fonctionne, que c'est pas du fake, parce que quand je vois, il y a pas mal de vidéos qui circulent sur le net et les gens ils font croire n'importe quoi, n'importe qui, qu'il y a si, enfin voilà, enfin ils font croire pas mal de choses, or que c'est des conneries quoi, enfin c'est vraiment des bêtises, enfin c'est. Donc voilà, donc moi je vais pouvoir vous le démontrer, comme quoi que ça fonctionne bien. Façon, c'est toujours la même chose hein, avec YouTube, plus même avec Dailymotion ou d'autres plateformes de vidéos. Il y a toujours des gens qui sont là, qui vous racontent des trucs et des machins, enfin bref. Bon voilà, donc là nous en passons à l'étape de l'installation. Bon, vu que c'est la toute dernière mise à jour, normalement, il ne devrait pas avoir de problème particulier pour la licence en fait. En fait, je vais vous expliquer en deux mots comment ça fonctionne. Ouais, c'est un point qu'il faut que je souligne. En fait, c'est des gens comme vous et moi qui téléchargeons, admettons, une application, je dis une bêtise, qui coûte 10 euros. Bah nous allons la mettre en libre service, tout ça gratuitement par le biais de tous les utilisateurs Android. En fait, si moi je télécharge une application et que je la mets à disposition pour tous, vous pourrez normalement la télécharger sans aucun problème de licence. Ouais, ok. Voilà. Donc là voilà, vous avez l'application, hein, vous avez tout. Après je sais pas comment ça fonctionne, donc mais voilà, enfin pour vous dire que ça fonctionne, bon, qu'est-ce qui m'ouvre là? Voilà. Après accès aux modifications, bam, bing, voilà, on teste. On teste. Par contre, ouais, il y a des problèmes de langage. Par contre, il y a des petits problèmes de langage. Bon, c'est pas grave, hein, mais c'était déjà pour vous montrer comment l'application fonctionne en elle-même. Donc voilà, nous allons nous quitter sur cette petite vidéo sur comment utiliser BlackMart. Je vais pas m'étaler non plus sur Aptoide, parce qu'Aptoide c'est exactement le même principe, sauf que c'est un petit peu plus chiant. Donc moi perso, je vous conseille d'utiliser BlackMart. Bon, sur ce, je vous laisse et je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!